Ok les amis, salut à tous les gars. Bon, et du coup, petit retour là sur la saison 9. Voilà Frosty, on l'a enfin, pas tranquille hein, parce qu'on a vu hier que... Voilà quoi, moi le début de saison ça me convient pas, hein. Je sais pas si vous vous rappelez la saison 8, mais... Avant de décrocher un top 1 ça a été dur, hein. Pareil, toujours pas de top 1 là, de toute façon vous allez voir le parapluie, c'est pas le bon. Je crois l'avoir vu, mais bon, normal. Ne pas se faire spoil, c'est impossible. Bon, de toute façon, le parapluie n'a aucun rapport, d'accord. Ça va, il fait assez de bruit, toi, ton parapluie? Du coup. Vas-y, toi. Même pas me faire chier. Oh putain, il y a un sniper, quoi. Oh le bâtard, il s'en est sorti. Ouais, du coup, je me demandais, ouais, la double pioche, c'est exactement pareil que la pioche simple. Parce que j'avais l'impression que ça allait plus vite, mais en soi, c'était pas possible quoi. Pay to win. Vas-y, c'est vraiment de la merde cette arme. Pay to win, c'est pas du tout Epic Games. Oh que non. C'est juste stylé quoi, c'est tout. Ok. Vas-y, on va se boire ça. Ça, on va le virer. On va prendre ça. Ça, on va le virer. On va prendre ça. Ça, on va le virer. On va prendre ça. Voilà, on va prendre les smokes. Du coup, monsieur en bas est dans la panade. S'il est pas parti. Alors, attendez, là, je me sors de cette situation. Et après, on va discuter de ce que je voulais vous dire. Il est où? Ok, il était là et il nous a donné ce dont je voulais vous parler. Alors, exactement. Donc, alors, on va faire un petit point. Je vais aller chercher ce petit coffre en haut là avant. Alors, comme je vous ai dit au début de la vidéo, hier, je me suis fait massacrer. Mais bon, je me disais que c'était quand même une bonne vidéo. Parce qu'en gros, on voyait tout à l'intérieur. On voyait toutes les nouvelles villes et tout ça. Donc, bon, ok. Pour moi, il y a un truc que j'ai pas compris hier. C'est cette arme. Celle-là. En gros, cette arme, moi, je croyais que c'était l'évolution du tactique. Parce que avant, il y avait une tactique violet qui existait. Et en fait, ça fait super longtemps que le tactique était bloqué au niveau bleu. Mais en fait, c'est pas du tout l'évolution du tactique. En fait, c'est juste en fait le pompe qui remplace le chasseur, quoi. Voilà, tout simplement. Donc, en gros, on voit au niveau des stats qu'il est meilleur. Bon, ça c'est clair et net. Ok. Mais je pense que il se joue pas du tout de la même façon. On va prendre ça. Oui, et 6 le bâtard. Il y avait encore un coffre, je crois, non? Je pense qu'il ne se joue pas du tout de la même façon. Alors, il y a plein de trucs à dire sur ce pompe. Je pense que vous en doutez. Alors, dans un premier temps, il se joue pas du tout de la même façon. Vous avez vu, oh, les... vous avez vu ce que j'ai fait au mec. Genre, avec le tactique, c'est passé crème. Genre, je l'ai mis 2 balles. Bam, mec, ça l'a rect. J'ai pas fait attention à bien viser, rien. Parce que le tactique, il a un réticule en fait de visée qui est juste énorme en fait. Non, c'est pas là. Yes. Yes. Donc il a un réticule de visée qui est juste énorme. Donc en gros, pour moi le tactique, il est plus genre all-in, tu vois. Comme ça. Il est plus all-in. En gros, tu rentres dans la boîte d'un mec, ce que je vous déconseille de faire, hein, absolument. Mais bon, après chacun son gameplay. Et tu tires de partout dans la boîte, le mec, tu es obligé de le toucher, quoi. Au minimum. Après... C'est vraiment pas conseillé d'entraîner un bot de mec, hein, je vous aurais prévenu. Parce
parce qu'il peut vous trapper et tout, enfin, depuis le temps vous avez compris quoi. Mais voilà, ça c'est le tactique, ce qui permet de faire. Celui-là, pardon, celui-là je pense qu'il est plus réservé pour les mecs qui build. Oh, le rocket, non, vas-y, je m'en vais. Il est plus réservé aux mecs qui build bien en fait. Parce qu'avec ce nouveau pompe, si tu arrives à prendre la hauteur et que tu arrives à la conserver, du moins, bah, le mec en fait, tu peux lui mettre des sacrées balles de loin avec ce pompe. Vous voyez que le réticule est tout petit. Attends, on va checker la zone. Le réticule est tout petit. Donc ça veut dire qu'en fait, les balles de loin sont plus meurtrières quoi. Est-ce qu'on prendrait pas ça par contre? Vas-y, hein, let's go, hein. Par contre, c'est une mauvaise idée ce que je viens de faire. Toujours rentrer dans sa boule avec le pompe. Bon, avant c'était le chasseur, ça faisait une différence. Mais du coup, voilà, donc si tu builds bien, tu prends la hauteur et le mec, eh ben, de 3 carrés de haut, tu peux lui mettre des 100 dans la tête, quoi. Voilà, bon, dans un premier temps, il y a ça. Donc, c'est. Je pense que les deux pompes, c'est une façon de jouer assez différente. Voilà, dans un premier temps. Ensuite, ce qu'il y a, que je trouve qui est bien, parce que, bon. Moi dans l'ensemble, bah vas-y, du coup j'ai lâché mon. Moi j'ai vraiment je kiffe ces pioches. Hein. Vraiment. Pas ces pioches, du coup c'est des haches. Oh, regardez ce sapin! Bim! Bon bref, dans un second temps, ce que je trouve quand même qui est bien, le côté positif, c'est qu'il n'y a plus les 200, les moins 200 là du pont bleu, qui était quand même assez rare, mais qui était possible, du space et d'espace. Il n'y a plus les moins 200. Donc ça c'est cool qu'il n'y ait plus les moins 200 parce que franchement. Les moins de 100, bah vraiment ça. Voilà, ça. Ça détruisait des rêves, hein. Vraiment, genre, t'étais bien, t'étais à 200 HP, tu te disais, ouais, je vais faire top 1, machin, et bim, tu croises un joueur, il te met à moins de 100, et. Game over, quoi. Alors ça, à vrai dire, ça faisait quand même assez chier, quoi. Donc ça va. Ça, je suis assez content. Et surtout, en fin de compte, ce qu'on voit, c'est que ça favorisait énormément les bons joueurs. Et là, en fait, du coup, yes, avec cette mise à jour et la saison 9, là, en gros, Epic Games, ils prennent le braquet totalement inverse. La nouvelle méta, parce que du coup, enfin, il n'y a plus le pompe chasseur, du coup, bah, forcément, vous avez compris, ça change tout le gameplay, quoi. Donc du coup la nouvelle méta en gros, bah, à l'inverse de favoriser les bons joueurs, bah, elle favorise les joueurs un peu moins bons quoi. Genre il n'y a plus à changer d'arme, genre quand tu avais un chasseur, tu étais obligé de changer d'arme tu vois. Oh. On va se prendre ça. On aura peut-être jamais le temps de se la mettre. Vraiment quand tu avais les chasseurs, bah, tu étais obligé de switch sur ta PM et tout, enfin voilà, c'était pas très compliqué. Mais les deux, il fallait le savoir, donc les nouveaux joueurs, bah, ils le savent peut-être pas. Là, ils ont un pompe, bah, ils tirent avec leur pompe et puis voilà. Et de deux, bah, le chasseur, fallait mettre des grosses balles, sinon hein, bah, ça servait à rien quoi. Voilà. Et en plus, maintenant, il y a le nouveau pompe, donc ça. Ou en gros, bah, si vous avez compris, il suffit juste de spam quoi. Juste vous cliquez et puis ça tire. Et en même temps, il y a la Thompson. Donc vraiment, est-ce qu'on peut prendre la boule avec ça là? Enfin, le truc avec la boule. Je pense que oui, hein, pas de raison. Donc du coup, ça favorise le. Ah, il suffit juste de sauter et puis c'est bon quoi. C'est free. Ok. Donc je me mets un peu à l'abri, voilà, le but c'est de. Il y avait un mec. Le but c'est de discuter un peu. Donc en gros, ben voilà, ça favorise les nouveaux joueurs. Et ça, Epic Games a toujours montré quand même, depuis quelques temps, qu'il favorise les nouveaux joueurs, aux pros et tout ça. Parce que ben, c'est eux leur. La masse en gros. Donc voilà. Donc c'est un changement total de méta, on va voir ce que ça va donner à l'avenir. Mais c'est un changement total de méta, la méta c'est la façon de jouer les gars. Fais quoi là? Là où ma boule?
Il y a des tiros pour monter là-haut. Oh là là, mon IM quoi. Oh, lui il a plus de vie. Aïe 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 aïe. Roby, il est mort, il est mort. J'ai 40 le kill, mec. Hop là. Il dérange pas si je viens looter? Oh, regardez hein. La méta. Voilà, c'est une bonne méta ça. Bon, il y a un orc qui me tire dessus en attendant, on l'a vu. Enfin, on l'a entendu surtout. Vas-y, lâche-moi toi. Aïe. Je peux me faire tuer dans le dos là. C'est trop loin ça, non? Ok, oui, c'est trop loin. Je m'en foutais de son arc parce que je savais que il y avait la chug. S'il avait été un peu plus intelligent, il aurait pu me tuer. Mais bon. Dommage. Directement, ça punit. Donc là, vous avez bien vu, les gars, dans cette vidéo. Bah, toute la méta, il y avait au début le... Bon, je vais juste se concentrer histoire de finir la game. En espérant faire top 1. Ça serait cool. Ça serait plutôt pas mal. J'ai la zone, hein. Wesh. Et où l'autre? En bas, là. Il est là. Reste là toi hein. Il est passé où? Il est toujours là du coup. Bon, lui il avait plutôt choisi le... Le tactique bleu, ce qui est pas mal. J'ai pas vu du tout combien j'ai fait de dégâts. On verra pendant la vidéo quoi. Je pense. Il est passé où l'autre? Je vois très bien plus le spam à la P90. Enfin à la Thompson, ça serait passé aussi. Hein. Bon, en tout cas, la boule hein, qui est toujours là. Voilà. Présentement entre mes mains. Ok, il y a un mec là. Il en reste encore deux autres à débusquer. Tout est chargé. Tout est chargé. C'est ok. Je vois personne. On va aller en zone, je pense, hein. Oh. Fais gaffe mec, y'a un mec derrière toi. Et voilà. Oh là là, c'est la chaîne alimentaire quoi. Mon dieu que c'est débile cette arme. Bon, un 1v1 situations, guys! Bon, en gros, enfin voilà, je vous ai montré. Donc, du coup, ce que je vous ai pas montré dans la vidéo de découverte de la saison 9, c'est-à-dire le nouveau pompe quoi, qui remplace totalement le chasseur et qui met en place une nouvelle méta qui va vraiment apparaître au fur et à mesure du temps et de la saison. Moi, pour l'instant, je suis pas trop fan.
Ça change pas mal de choses. Le chasseur, je trouvais ça bien fort. Ça pouvait vraiment te sortir des situations compliquées. Là, c'est, je sais pas, on va s'habituer, je pense, hein. C'est une méta qui est plus casu que ce qu'il est, mais bon. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, en tout cas, de ce retrait du chasseur, de la nouvelle méta, donc du coup Thompson et le tactique qui, enfin, et du coup les pompes qui spam quoi, c'est des pompes qui spam. Les deux façons de jouer du pompe, donc le tactique que je rappelle qui est plus all-in, je pense, et l'autre qui est plus un peu plus réfléchi quand même parce qu'il faut pas rater ses balles quoi. Parce que les balles quand tu les rates, elles sont vraiment dégueulasses. Donc voilà, je sais pas trop quoi en penser pour l'instant. Je serais plutôt du côté négatif de la chose. Mais bon, à vous de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et du coup, toujours pas de top 1. Toujours pas de top 1, les amis. Toujours pas de top 1. Encore une fois, le début de saison compliqué. Mettez plein de pouces bleus partout pour me faire avoir un top 1, c'est ça, c'est sûr. C'est sûr que grâce aux pouces bleus, j'ai des top 1, c'est clair et net. Allez, ciao guys!